C'est bon, patron. J'ai fait les courses que vous m'avez demandé de faire. C'est pas vrai, mais t'as été vite, dis donc. Bah, super rapide, c'est juste à côté. Tu sais quoi, j'ai beaucoup de stagiaires, mais je pense que toi, tu vas être un des meilleurs. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Allez, montre-moi ce que tu m'as demandé d'acheter. Alors, j'ai pris du charbon, hop, et j'ai pris du tabac. J'ai pris des lights parce que ma grand-mère elle fume que des lights. Elle m'a dit que des fois c'est un peu trop fort pour elle, du coup, je prends. D'accord. Malik, c'est quoi ça? C'est du charbon. Charbon de De bois. De bois, voilà. Pour Barbecue. Barbecue, exactement, Malik. Tu m'as acheté du charbon pour les grillades. Hein, on fait des merguez ici, ça sent la merguez, sort avec ton gros pif, ça sent la merguez. Non, ça sent pas la merguez. Hein. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est des lights parce que ma grand-mère. J'en ai rien à foutre de ta grand-mère, j'ai demandé d'aller m'acheter du tabac pour les chichas, pas pour ta grand-mère. Bon, c'est pas grave, on perd du temps, on accélère. Donne-moi le tuyau que je t'ai demandé là. Ah, le tuyau, par contre, je me suis pas trompé parce que je suis allé à Leroy Merlin, c'était juste à côté. Malik, c'est quoi ça? Ça, c'est un tuyau pour les chiottes, Malik. Hein, il y a marqué quoi sur l'aventure? Il y a marqué Grande Chichotte de Paris ou il y a marqué Grand Chichotte de Paris? Je sais pas. Je t'ai pas demandé d'aller voir, viens ici. Non, bon, tu sais quoi, vas-y, on va passer à autre chose de suite. Tu vas à la table 12, voilà, et tu leur demandes s'ils veulent changer de tête. T'étais capable de faire ça, hein? Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont eu une tête, je peux pas changer leur tête. C'est leur tête à eux, je sais pas quoi faire en fait. Il y a un truc qui va pas dans le. T'es con ou quoi toi? Ils ont une bonne tête, moi je trouve. Allez, casse-toi, dégage. Je vais faire avec ça, moi. Younes, en vrai, t'es relou. Tu me dis, viens, on va à la chicha voir le match, mais avec la fumée, on voit rien, là. En gros, si on vient ici, c'est pour regarder les matchs, l'ambiance, les gens, la chicha. Mais oui, mais comment tu fais pour suivre le match? Bah, t'écoutes! Mais j'écoute quoi? Depuis qu'on est arrivé, ils diffusent que des clips d'Aya Nakamura et Wajin en boucle. Ouais! But de Neymar! Voilà! Voilà! Qui a marqué? Neymar! Neymar, il a marqué! Neymar, il a marqué! C'est ça, Thomas! Goal de Neymar! La télé, elle est à droite. Goal de Neymar, c'est ça qu'on veut, muscle ton jeu, Kiki! Viens, mon Kylian! Salut les gars! Salut! Qu'est-ce que je vous mets? Je sais pas, t'as quoi comme goût? Là, je vais me recevoir raisin. Bon, raisin, c'est pas mal, c'est bien. C'est bon? Ouais, s'il te plaît, raisin, ouais. Ok, bon. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Les gars, à mon avis, elle est pas en train de parler de chicha. Elle est plus en train de parler de drague. Si vous connaissez l'application Fruit? Non. Si, je connais, ouais, c'est le fruit comme ça, sur ton écran, tu les découvres comme ça. Mais non, n'importe quoi, il lui parle pas lui. Non, Fruit, c'est une application de rencontre. Regarde, c'est une application qui te permet de faire matcher tes envies avec la personne d'en face. Ça veut dire, ça t'est déjà arrivé, toi, de rencontrer quelqu'un, de commencer à parler, et puis là, tu te rends compte que vous avez pas les mêmes envies avec la fille. Mais de ouf, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Même souvent, c'est moi qui ai envie et pas elle. Ah, c'est problématique, ça, c'est. Ouais, faut faire attention, quand t'as veut pas, veut pas. Ouais, bon bref, ben avec Fritz, y'a pas ce genre de problème, tu vois. Tu dis direct ce que tu veux vraiment à la personne, tu perds pas de temps, tu vas à l'essentiel. Au lieu de le dire avec des mots, en plus tu le dis avec des fruits. Regarde, par exemple, elle a mis cerise. Cerise, ça veut dire qu'elle cherche du sérieux, tu vois. Ouais. Okay. Elle a mis pêche. Pêche, ça veut dire qu'elle cherche juste un coup d'un soir, juste pour la soirée. Et elle, hop, elle a mis raisin, et ben c'est ce que je te dis. Raisin, ça veut dire qu'elle va aller boire un verre avec toi. Raisin, c'est un peu compliqué à tout se découper parce que c'est une grappe. Il faut découper tous les petits raisins. N'écoute pas, à mon avis elle te cherche. Mais vas-y, arrête de dire n'importe quoi toi. Ça veut dire que si elle m'avait dit, imaginons elle m'a dit pastèque. Pastèque. Pastèque, ça veut dire qu'elle veut que tu sois son sex friend, Malik. Vas-y. Ah ouais, pastèque c'est beaucoup beaucoup de points. Parce que la pastèque quand elle arrive, tu peux la découper en plusieurs morceaux. Les gars, excusez-moi, ouais. Je suis désolée, mais raisins y'a plus. Ah tu vois, t'as vu, je t'ai dit. Bon, ça va, je me suis trompé, ça arrive. Mais par contre on a pastèque. Pastèque? Ah ouais, moi je veux bien pastèque avec toi. Ok. Pastèque. Ah ouais, pastèque, ouais. Pastèque, Malik. J'ai aucun mérite, c'est le survêt qui fait tout. Ah, j'avoue le survêt qui fait tout. Pastèque. J'ai réussi à vendre le chien pastèque ou de débile. T'as un seul avant de ça, là. Mais il passe pas le goût. En même temps, j'ai aucun mérite. Regarde-le, c'est un joli goût. Ouais, j'en préfère notre coco. Notre coco. Oh, ça va Younes? Non, frérot, quoi. Ah, ça va. T'as commandé? Non. Et tu veux autre chose? Non. Ok. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Habit! Ouais! Bon. Ouais, voilà. Ouais, frérot, ça va quoi? Ça va? Ouais, Je vais pas te prendre de chicha, moi, par contre, est-ce que tu peux me mettre un petit tiramisu Kinder Bueno? Ouais, c'est bon, on a ça, ouais. Super, ouais. Allez, c'est bon, merci beaucoup. Pourquoi t'as pris un tiramisu? Mais parce que les tiramisu en chicha, c'est une merveille. T'as déjà goûté? Non. Mais tu sais que tout est fait maison. Hein. En fait, ils ont une technique très particulière. Ils prennent le Kinder Bueno, tu vois, ils le font fondre. Et après, ensuite, derrière, ils le mixent avec le café torréfié. Ils mélangent tout ça. Et paf, ça te sort un tiramisu avec un goût incroyable, je te jure. Attends, tu vas voir, c'est quelque chose. Ah, ben regarde. Oh, voilà, c'est ça. Et voilà. Tiramisu. Attends, non, je t'ai dit une bêtise. Parce qu'en fait, je t'explique, j'ai l'habitude, j'adore le Kinder Bueno, tu vois, c'est vraiment mon tiramisu préféré. Du coup, j'ai dit ça par habitude, mais là, j'aurais aimé goûter l'Oreo si c'était possible. Bah, c'est compliqué à faire, mais on a Oreo. Je voudrais bien goûter l'Oreo si c'est ça dérange pas. Ouais, plaisir. Désolé, c'est vraiment un truc de gaspiller. Avec plaisir, y'a pas de soucis. Ça marche, hein.
Ah, il sait. Hop, attention par terre. Voilà un tiramisu à ma gueule. Oh, c'est vraiment fait maison. Ah, là, c'est du boulot. Hein. Voilà. La cuillère, peut-être. Merci. Bon appétit, frère. En tout cas, c'est fait main. C'est bon. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Nickel. Vraiment top. Okay. Je vais te régler du coup. Ouais, ça fait 20, s'il te plaît. Ouais, 20. Ça marche. Non, je prends pas la carte. Ah mince, ça marche pas la carte? Si, ça marche. Mais non. Ok. Ouais. D'accord. J'ai mon chéquier, ça peut dépanner. C'est quoi? D'accord. En fait, tu veux de. Ouais, de l'espèce. Ouais, ok, ouais, d'accord. S'il te plaît, de l'espèce. Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'espèce sur moi là tout de suite. Ouais, bah tu peux retirer si tu veux. Ah. Ouais, il y a juste un guichet là. Tu sors, tu vas directement à droite, il y en a un. Là à droite? Ouais, direct juste okay. Bah, ça marche. Mais cool. Écoute, je fais l'aller-retour, j'y vais, je récupère, je vous dis. Y'a pas de soucis, juste devant Bilal, Karim. Ouais. Ouais, ils vont t'accompagner, c'est plus simple. Non, mais c'est pas nécessaire. Que... C'est nécessaire pour moi. Ah bon? Oui. Non, mais ça va aller, je connais la route. Ah Malik, tu sais que je suis content de venir ici, c'est la première fois que je viens en chicha. Mais non, tu mens. Si, je te jure. Moi, je, tous les jours, je connais pas le cœur ici. Bah oui, je sais, c'est... chômage et tout. En tout cas, c'est joli, hein. C'est pas mal, c'est merde. Ça va comme? Ah, Malikoum à vous. Je vous sers quoi? Alors, la carte. Choisis. Ta chicha, Love 66, Hawaï, Myanmar. C'est des chichas ou c'est des pizzas, vos trucs? Parce que les noms. C'est pas marrant, oui. Ouais, 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 et puis choisis. D'accord. On va prendre un truc classique, une chicha à pomme. Voilà. Comment ça, pomme? Pomme, comme le fruit. Chicha à la pomme, quoi. Ah, mais t'as différents goûts de pomme. T'as pomme menthe, pomme givrée, pomme jerry, pomme de renette et pomme d'api. Oh, donc... Trop énervé, ça. Ah, ouais, c'est énervé, ça. C'est carré comme la Corée, ça. Pomme de renette et pomme d'api. Wallah, c'est hara. Il y a quoi dans le pomme renette, pomme d'api? Il y a de la renette et pas mal de d'api. Non, franchement, pomme classique, ça sera très bien, quoi. Je sais pas si... Attends, je vais demander. Luna, y'a pomme normale? Non. Y'a pomme menthe, triple pomme, pomme de renette et pomme d'api. C'est bon, cousine. Non, y'a pas, désolé. Par contre, je peux vous conseiller, là, y'a un goût qui cartonne en ce moment, là, c'est le nouveau pomme, là. C'est un truc un peu givré, ça rappelle le ski, tout ce qui est tire-fesse et tout. Franchement, c'est pas mal. Ah ouais, pourquoi pas? C'est quelle sorte de pomme? Pomme de terre. Pomme de terre. Ouais, c'est vraiment pas mal. En plus, je vous mets le supplément raclette sans faire parler. Ah, ouais, très bien, là, supplément raclette. Voilà, viens, prends. Hein, direct. Voilà, c'est carré comme la chorégraphie. Ouais, bah alors, prenons une pomme raclette. Ouais, c'est parti. Hey, Luna, lance une pomme raclette avec toast. Ok, ça part en toast. Et pour les boissons? Bah, vin chaud. On a du thé. Thé chaud. C'est parti. De thé chaud, c'est parti. Ah, ça va ou quoi? Ça va, et toi? Ça va? T'as déjà commandé ou pas? Ouais, j'ai déjà commandé. Ouais. Ouais. Ok, excusez-moi. Ouais. Ouais, on va vous prendre. Non. Double pomme. Menthe poivrée. Menthe poivrée? Ouais, super. Voilà. Voilà. T'inquiète pas, faut t'acheter à l'arrivée. Ouais, pas de soucis. Ouais, ouais. Déjà, ça fait 20 minutes. Ouais. Ah ouais, bon, ça va arriver. Ouais, bah, déjà, t'en peux pas aller. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est un truc de fou, c'est ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Bon, Nino, on va pas tarder, nous. Ouais. Donc allez, on y va. Ouais. Tu fais quoi, toi? Bah, moi, je reste un petit peu, comme j'ai toujours pas eu ma chicha. Ah, t'as ta chicha? Ouais. Ok. Bon, bah, vas-y. Vas-y, bah, ouais. Allez, salut. Hein. C'est un jour, je sors d'ici. Ouais. C'est ma chicha. Excuse-moi, tu peux lever les pieds, s'il te plaît? Ouais. Juste parce que je nettoie ici. T'inquiète pas, ta chicha, elle arrive. Elle arrive? Ouais, elle arrive. Je suis en train de la préparer, là. Ah, t'as raison, faut que ça soit bien propre. Hein, quand oh, non, mais elle va être bien. Ouais, t'inquiète. J'essaye de bien nettoyer. Et y'a quoi dedans? Dans quoi? Bah, dans la chicha. T'inquiète, elle arrive. Ok. T'inquiète. Si j'ai oublié, c'est que j'ai plus. Attends, ça va être chaud pour mon colis là. Ah. Bah, j'ai chaud aussi. Ah, ça va les gars? Ok, ça va. Khouya! Atemni chicha nahnah! Mais depuis quand tu parles arabe toi? Bah, depuis toujours. J'en ai marre, moi, de passer toujours pour le bon français, alors que moi, je suis arabe. Tu racontes, t'es normand. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Je suis dans une chicha et j'ai une barbe, je suis quoi? Par contre, c'est raciste, ce que tu dis. N'importe quoi. Bah, alors, allez-y, posez-moi n'importe quelle question à laquelle seul un arabe peut répondre. J'écoute. Vas-y. Question tout con, là, ouais. Ma mère, c'est... Vas-y, cite-moi une chicha proche de chez toi. Voilà. C'est quoi le rapport? Tous les rebeux le savent. Imagine un mec qui fait une vidéo YouTube sur les chichas. Ouais. Et ben dans les commentaires, il y aura tous les rebeux qui vont citer les chichas les plus proches de chez eux. Alors... Et pour les experts, ils vont même te citer le nom du propre de la chicha. Voilà. Tout simple. Moi, c'est le Sunshine et le patron, c'est Karim. Voilà. Non, mais ça compte pas, c'est facile ça. Toutes les chichas de France s'appellent le Sunshine et tous les patrons ils s'appellent Karim. Il va mettre à l'envers lui. Y'a pas de temps. Bravo, Younes. Tu me dégoûtes. Tu vois ce que tu viens de dire là? C'est extrêmement raciste.
Strafford. Ouais mec, je suis désolé, je vais pas pouvoir venir, hein, parce que je vais à la chicha, je t'ai dit. C'est la première fois que j'y vais, ça s'appelle Le Chiffre, je suis devant là. Non, non, je connais pas, mais j'ai vu la pub sur Facebook, ça a l'air d'être un truc de ouf. Ambiance de malade, musique, que des meufs surbonnes. Bon allez, je te laisse, j'y vais, ciao. Excusez-moi. Salam, ça va? Salam. Je cherche le chiffre. Ouais, c'est ici, là. Bienvenue. Installe-toi. Non, mais alors, il doit y avoir un problème parce que c'était marqué sur la pub qu'il y avait de l'ambiance, de la musique et des meufs. Ouais, en fait, habituellement, c'est plein à craquer, mais bon, comme on est hors saison et tout, tu vois, c'est compliqué, tu connais. Hein. Hors saison. Ouais. On est samedi, 20h. Ouais. Ouais, ok, j'ai compris. Et c'était marqué qu'il y avait Aya Nakamura qui était venu. Ouah, Aya Nakamura, c'est un petit chez moi. Un petit? Ah là-bas, il s'appelle Ibrahim Karamoko. Mais bon, depuis qu'il passe à la télé, le showbiz, il fait la meuf devant tout le monde. Tu connais, hein? Ah non, je connais. Son argent tranquille, tu vois. D'accord. Et Rihanna? Rihanna, elle est venue 4 fois en showcase ici. Ça doit bien tourner alors, parce que pour la payer, c'est cher. Non, on la paye pas. Bah, t'es sérieux, toi? C'est la famille, il manquerait plus qu'elle prenne de l'argent. Ah, vous payez pas? Ah, tu connais, c'est demain, tu connais, prendre de l'argent. Non, je comprends pas. Ah, demain, genre, à nous prendre de l'argent. Oui. Tu vois, nous. Je. Bah, je. Genre, tu. Ah, d'accord, ok. C'est ce que je veux dire. Oui, oui. Ah, oui, il y a oui. Pas de. Bah, non, bah, oui, parce qu'au début, je croyais qu'il y avait. Bah, en fait, il y a. Bah, non, il y a pas, tu connais. Parce que. Et le jeune homme qui est là-bas, sa tête me dit quelque chose. J'ai déjà vu quelque part, non? Ah, elle aime pas qu'on le dérange. Hein. C'est Drake. Non. Ah, non, c'est Drake. Ah, c'est Drake? Ah, c'est vrai qu'il est pas trop pareil qu'à la télé. Hein. Après, il a chopé 3 fois le Covid, tu vois. C'est pas vrai. C'est vrai que physiquement, il est un peu. Tu vois. Ah, je savais pas que ça faisait grossir le nez, le. Ah, ouais, là, pas que le nez qui a grossi, là. En tout cas, installe-toi, frère. Je te mets comme d'hab. Ouais, c'est la même chose que d'hab. C'est la première fois que je viens, mais. Ouais. Mmh. Elle est bonne, hein? Tu fais plus, Malik? Non. Pourquoi? Je sais pas, j'essaie d'arrêter en ce moment. J'ai vu un truc la dernière fois sur M6, ça m'a pas trop. Un reportage où il disait que la chicha ça niquait les méninges. Ça te mettait dans un état pas possible où ça te ramollissait, ça te. Ah, mais n'importe comment, tu vois pas que c'est connerie de journaliste ça. Moi j'ai un pote, je vais te dire, athlète de haut niveau. Ouais. Il a couru avec Usain Bolt le mec. Hein. Il tapait des 100 mètres à une vitesse incroyable. Et bah là il est blessé depuis un petit moment, il fume la chicha tous les jours, ça lui fait rien. Tu mens. Non, je te jure. Ça veut dire. Dis-moi. Ouais. Bah ouais, la chicha, ça t'a rien fait? Bah, ça m'a rien fait du tout, en fait, ça dépend comment tu fumes. Pas trop aspirer, faut expirer, tu vois ce que je veux dire. C'est une technique, quoi. C'est pas bien quand tu fumes. Ça lui a mis une patate à celui-là. Je le reconnais plus. Au début, quand j'ai commencé, ça m'a donné envie de courir. Ça lui a mis une patate, la chicha. Alors le moi, Chichi. Une pile électrique. Moi, je le ça va toi? Khoya, t'as la halab. Ça va les gars? Ça va toi? Ça va. Khoya, t'as mani, chicha. Non. Ça va les gars? Ça va toi? Khoya, t'as mani, chicha, nahna. Ça va quoi? Khoya, t'as mani, chicha, nahna. Ouais, c'est sympa. Et quoi dans la pomme d'api? Il y a de la ronette et de la. Si tu veux mon raclette, tu vas. Ah ouais, c'est hala, c'est un supplément raclette. Wallah, c'est carré comme l'autographie, wallah. Pomme quoi, une chicha à la pomme. Ah, il y a plusieurs pommes. Il y a pomme givrée, pomme menthe, pomme kiwi, pomme banane, pomme pote, pomme jerry, pomme ronette et pomme prime. Ok, ça part en toast. Et pour les boissons? Bah, un vin chaud. Pastèque. C'est drôle, tu fais ça. Bon, allez. Pastèque. Bon, d'accord. Pastèque. Quand tu veux. Ok. Je crois que je vais le faire, mais vas-y. Ah là, la Comora, c'est un petit chez moi. Ah, c'est un petit. Ouais, la base, ça s'appelle. Allez, donne-moi tout ce que tu as. Je te dis, rien que la tête de débile, elle va être très belle. Moi, je débile, te force pas. Vas-y, oui, donne. Barbecue. Pour barbecue, Malik, tu m'as ramené du charbon pour les grillades. Hein, on fait des merguez ici, ça sent la merguez? Sors. Voilà, avec ton gros nez là, ça sent la merguez? Non. Ça, c'est Drake, ça? Ouais. Ah, il est pas pareil hein, qu'à la télé. Ah, après, il a chopé 3 fois le Covid, c'est pour ça que. Ah, quand même. When these bitches coming off registers, living life under rules and I'm ditching.
Chasing all of the secular, unrespectable motives in my eyes. Never understanding your vision when I'm up hearing all these lies. But I go, 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 go.